Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne où tout simplement, on va regarder une critique sur ma chaîne. Je m'y attendais pas du tout. Je suis tapé Cocteau sur YouTube, je vais regarder un petit peu ce qui ressortait tout ça. Et je vois critique, on critique la chaîne de Cocteau. Du coup, je me dis, on va regarder un petit peu. Vous avez vu, j'ai regardé un tout petit peu la vidéo pour voir si c'était pas non plus de la grosse merde. Bref, j'ai hâte d'analyser ça avec vous. On va regarder ça tout de suite. Si y en a qui ont des critiques à me faire passer que j'ai pas forcément vu, pourquoi pas. Celle-là m'a fait beaucoup rire, vous allez comprendre pourquoi. Bref, déjà, on va la mettre à meilleure qualité. Donc, déjà la qualité est pas ouf, elle est qu'en 360p, bon bref, ça veut pas forcément dire grand chose. Le ratio like-dislike, ça va à peu près. Et les commentaires, d'accord, il y a qu'un mec qui a commenté, il lui demande de s'abonner. Bref, c'est parti. Alors, on voit déjà la qualité sonore. Ah putain, et les gars, mettez pas des bandes noires sur YouTube, c'est dégueulasse. Allez, like, n'hésitez pas aussi vous à vous abonner et à liker, ça fait extrêmement plaisir. Putain les gars, le nombre de vues que je faisais avant en faisant des trucs flèches rouges là. La deuxième et la troisième. Il y a trois parties. Et sur cette chaîne là, je vais expliquer comment c'est du fake. C'est du fake, d'accord. Explique-moi, explique-moi. Explique-moi comment c'est du fake. Allez. Les gars, pour ceux qui savent pas, vous voyez, il y a plein de vidéos avec des 100 000 vues, des énormément de likes, tout ça. C'est qu'à l'époque, en fait, j'avais voulu atteindre un petit peu une communauté pour pouvoir évoluer plus tard. Et là, j'ai décidé de tout supprimer, de tout remettre au propre. Je sais que je vais perdre pas mal d'abonnés, tout ça, tout ça. Mais vraiment, tout remettre au propre, faire des bonnes miniatures, faire des bons montages, reprendre tout à zéro, faire des bons trucs. Vous voyez, là, j'étais à 5400 likes. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Oh, le son est dégueulasse, hein. Waouh. Mais oui les gars, on peut jouer à Fortnite mobile sur Wiko. C'est le site officiel qui l'a dit. Wiko, je sais pas si c'est... Apparemment, Wiko, je suis pas sûr de l'avoir dit. Samsung c'est sûr, c'est officiel. C'est sur le site, vous allez tout simplement sur le site officiel de Fortnite. Et en fait, vous avez donc les appareils qui seront disponibles prochainement sur Android. Donc Samsung S9, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que tu parles? D'accord, faut que j'arrête. Sa vidéo, le mec, il a dit là. Voilà, j'ai dit voilà. Là, il a dit là. Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mais les gars, non mais, je fais pas une critique sur une chaîne YouTube et tu mets des pouces bleus, frère. C'est pas crédible. Autant tu mets pas de pouces rouges parce que ça peut être mal interprété. Mais tu mets pas un pouce bleu. Quand tu mets un pouce bleu, c'est que t'as aimé la vidéo. Oh là là. Genre, je te jure. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où tout simplement je vais vous donner un site internet qui va vous dire si votre téléphone sera compatible avec Fortnite. Vous aurez juste à rechercher votre téléphone sur ce site et il va vous dire si oui ou non bah Fortnite sera possible sur votre téléphone. Bah vous voyez. Qu'est-ce qu'il va dire? J'ai parlé avec lui sur Snapchat. M'a dit... Quoi? J'ai parlé avec lui sur Snapchat, mais les gars, j'ai pas Snapchat. J'ai que Snapchat pour moi personnellement en tant que personne. Mais sur YouTube, les gars, j'ai que Twitter. Hein. Regardez dans la description, j'ai Twitter. J'ai Instagram, je m'en sers vraiment jamais. Mais j'ai pas Snap. Donc le mec déjà raconte des gros bobards, les gars. Ça, c'est... Il a dit que tu vas voir Fortnite sur Fortnite mobile, sur un téléphone Wiko, un truc comme ça. Bah, et... si t'as 2 Go de RAM, pourquoi ça te dérangerait? Oui, tu vois, j'ai dit, allez, je vais essayer. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Il a dit, sur cette vidéo, c'est à 1000 pouces bleus, 1500 pouces bleus. Il fait gagner un carte PSN 25€. Parce que de la... Wouah les gars, je comprends pas tout ce qu'il dit. Déjà j'ai pas Snap, il met des pouces bleus, il raconte des conneries, je sais pas tout ce qui est vrai et qui est pas vrai en fait là en vrai. Vidéo qu'elle avait fait, il y avait 5000 pouces bleus. Mais il confond tout. Ils m'ont descendu. Le nul et tout. Et vous voyez, il y a des chaînes qui disent fake. Et Putain, c'est. Des abonnés déjà. Ah, mais t'étais abonné en plus! T'étais abonné! Vous croyez pas les gros youtubeurs là parce qu'ils sont en viseur aussi. Et ces critiques là, c'était pour cette putain de youtubeur mytho. Je suis un putain de youtubeur mytho, les gars. La dernière. Le dernier youtubeur. Ça va être la prochaine vidéo. J'espère que vous aurez appris. N'hésitez pas à vous abonner. Y'a pas dit un truc code forlan? C'était pour cette putain de youtubeur mytho. Putain de... Comme code forlan. Oui, j'avais entendu. Putain de youtubeur mytho comme code forlan. Les gars, on va aller voir sa chaîne juste. Putain, les gars, c'est chaud vraiment d'avoir des infos comme ça des fois. Genre, c'est pas vrai du tout. Quoi. Gotopin.
Ah ouais, c'est chaud les vidéos quand même, bande. Les gars, il a sa chaîne YouTube, elle est même pas en mode chaîne. Ah là là. Ah là là, c'est pas facile. Bref, en tout cas, j'étais vraiment choqué de trouver une critique sur moi parce que j'ai que 4000 abonnés. Enfin, presque 5000 bientôt, en tout cas. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, ça m'a fait extrêmement rire de voir ça. S'il y en a qui veulent faire des critiques, mais positives, enfin pas positives, mais des critiques argumentées, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, c'était Cocteau, abonnement, pouce bleu,